Salut les gens, ici c'est Chalawar et on se retrouve aujourd'hui pour tourner l'épisode 12 du Pétrou sur Dishonored. Donc ça va être la fin de la mission, enfin j'espère, pour capturer le médecin royal. Et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce que je tourne avec. J'ai la présence d'Emily Caldwin à côté de moi. Bon, elle a les écouteurs donc elle m'entend pas parler. Toi, donc on va continuer la mission. Pour ceux qui n'ont pas regardé l'image subliminale de l'épisode 10, forcément, j'ai plus d'anesthésiante. On va essayer de le choper. On est passé sans se faire voir. D'accord. Mystère de Pandissa, ça on s'en fout. Faut quand même que je fasse attention de pas me faire repérer. Parce qu'ils sont juste en dessous. Ça pourrait être embêtant. Ah, des carreaux anesthésiants. Merci, je vous bénis. Non, ça j'ai déjà lu. Genre je peux... Ouais, je pourrais les faire exploser, mais bon, c'est pas très malin. Il est où l'autre? Il est là aussi. Ah, ils ont des idées de bouger. Hop, on va se casser. Voilà. Je crois qu'on est bientôt... Oh. Ben, je crois qu'on est bientôt, même qu'on est arrivé. Ah, yes. La formule 25. Après le dernier alignement céleste, son potentiel est formidable si je la combine à un traitement thermique qui m'est venu en rêve. Donc c'est lui qu'on est censé capturer. Quant au sujet numéro 312, compte tenu de sa désquamation caractéristique, donc pour le capturer, elle devrait mourir demain. Hop, voilà, c'est fait. Alors, rapport du lieutenant Niles. Bon, allez, on s'en fout. Hop, merci. Je me souviens. Tiens, t'es libre. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas t'es qui, mais t'es libre. Merci. Qui que mais de rien. Soyez. Il me gardait en cage, comme un animal. Faisais des petites expériences sur toi? La douleur est insupportable. Je vais me cacher dans un coin en attendant d'aller mieux. Bah, tant que tu te transformes pas en zombie, moi ça m'arrange. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes à regarder? Ah, attends, tiens. Tu poses là deux secondes, hein. Est-ce que je peux... Merci bien. Je sais qu'il y a un garde dehors. D'accord, il est là. Tu vas dans quel sens? Là-bas, ok, nickel. Mais moi je suis censé aller ici. Ah oui. Putain, mais il est loin en fait. Genre, est-ce que je peux me téléporter? Y'a personne ici? Personne. Ok, nickel. De l'argent en plus. Oh putain, je l'ai balancé sans faire exprès. Allez, fais dodo. Non. Bon. Ça se mange. Hop. Alors, prends le vieux. Et on se casse ici.
Déployez-vous, on dirait qu'il y a du raffut. J'en sais pas plus. D'accord. À tous les membres de la garde urbaine, un dangereux suspect a été repéré sur... Hop. C'était joli ça. Ça s'ouvre ça? Ouais, mais il y a que dalle là. Ça s'ouvre aussi. Oh là. D'accord. Ça c'est gentil. Oui, bah du coup faut que je remonte. Protéger Sokolov, mais je me suis cassé avec. Olé. Alors, il est où notre ami Sam Sam? D'accord. Oula. Ok. Alors, il faut descendre sans se faire prendre. Ouh, ça c'était joli. Et voilà. Le médecin royal en personne. Je vous tire mon chapeau. Allez-y, embarquez-le. Bon, bah cette mission est enfin terminée. Alors, récupérer. Oh, bah j'ai quasiment tout trouvé en plus, c'est nickel. Allez, c'est parti pour la mission suivante. Non. Non mais elle a pas l'air de m'entendre. Elle a pas l'air de m'écouter. Alors, le médecin royal est désormais prisonnier des loyalistes. Par le bien de Solokov, il serait possible de frapper au plus proche de leurs régents. À quel point l'homme le plus brillant de l'Empire serait-il coopératif? Il devrait être influencé ou contraint de dire tout ce qu'il sait. Donc il va falloir le torturer en fait pour qu'il parle. Je suppose. Ils ont aménagé une cellule dans l'ancien chenil. Avec des chaînes et tout. Ça va lui faire un choc de se réveiller dans la paille de la crotte de chien. Ouais. Je me suis laissé dire qu'il avait connu pire. Comme tous d'ailleurs. Ouais. Bon c'est vrai qu'il a un peu l'air d'un clochard mais bon. C'est parce qu'il néglige son apparence, c'est un vrai génie. Bien joué, Campo, bien joué. Je doute qu'une douzaine d'hommes auraient fait mieux. Tu crois, toi? Sokolov a des infos qui nous permettront de frapper le Lord Régent directement, et ensuite de laver votre nom. Bientôt, nous n'aurons plus à nous cacher. Le médecin royal est brillant. Mais il a fait l'erreur de protéger le Lord Régent. Sokolov nous a donné l'élixir, les machines de guerre. Il aurait pu faire de nous une grande nation. Il paie le prix de son allégeance envers un tyran. Je vous remercie. Pas de rien. Si vous voulez dormir un peu, c'est le moment. Oui, parce qu'il a l'air de se faire assez nuit, donc... Voilà, je te souhaite bonne nuit. Ils m'ont demandé de te souhaiter bonne nuit, en fait. Corvo. Non, mais j'aimerais bien voir Pierrot avant. Oh putain, il fait trop pipé. Je suis un philosophe naturel, mais aujourd'hui, je ne suis qu'un humble petit artisan. Moi, je veux juste acheter des trucs, en fait. Hein. Je m'en fous. Alors, la pomme que vous avez apportée à Pierrot des blocs, botte furtive. Oh, intéressant, ça. Regarde ce que c'est. Botte furtive, réduit les bruits de pas. Ça, c'est intéressant. Ça, je prends ça. 600 pièces, ouais, j'ai envie de dire de toute façon, grossissement, non bah allez, peut-être furtif, comme ça je suis méga furtif, sinon je vais juste acheter, voilà, ça au moins c'est fait, petite cobla je m'en sers absolument pas, les spirales je m'en sers absolument pas, essayer de tuer le moins possible.
réserve de spirale, réserve de carreaux. C'est les carreaux normaux, ça me sert absolument à rien. C'est bizarre, il me semblait vraiment que je pouvais débloquer des trucs d'anesthésiant, mais bon. Après le zoom, je pense pas que ça sert à grand chose. Bon, je vais garder mes trucs de toute façon. Allez hop, au moins ce sera fait. Juste comme ça, ouais, j'ai 10 et 10. Maintenant que Sokolov est notre invité, demandez-lui comment il a persuadé l'Académie de le nommer médecin royal. Et comment il a volé la formule de mon élixir. Vous voulez bien? Bah oui, on verra ça. À tous les citoyens. Allez, go. Pardon, pardon. Juste comme ça, est-ce qu'il n'y a pas des runes quelque part? Ah. On va aller voir là-bas. Les parlementaires des défunts iront à Lord Trevor Pendleton, qui vous demande de respecter son... Comment faire pour aller là-bas? Votre attention, citoyen de Dunwall. Le pillage des zones évacuées est un crime grave. Je peux pas. Comment ils ont fait? Prouvez votre fierté envers Dunwall en respectant la propriété et les droits de par chacun. Faut passer. C'est temps difficile. Préservez l'éternelle beauté de notre bien-aimée cité. Non, mais y a rien pour passer en fait. Même pas une fenêtre ouverte. Bon, bref, je laisse tomber. Hop. Allez. Allez, au lit. Coucou. Hop. C'est quoi? Note de Pyro. Kovo, je vous remercie d'avoir apporté un génieur en vie. Cela représente beaucoup pour votre vieil ami de l'Académie de Philosophie Naturelle. Étant donné qu'il est difficile de procurer un spécimen vivant atteint de la peste, soyez assuré que mon collègue gérera la situation de la façon la plus humaine possible. D'accord. Oh putain, il m'a donné plein de trucs anesthésiants. Oh, je suis trop dégoûté. Ah. Cette affaire concernant mes frères était tout à fait déplaisante. Je ne souhaite pas en discuter en tâche. Néanmoins, je vous remercie chaleureusement. J'ai entendu dire que vous avez trouvé un autre moyen de les neutraliser sans prendre leur vie. D'accord. Ben, merci. Hein. J'espère qu'ils seront toujours là à la prochaine mission. Allez, on va dodo. Bah vas-y, enlève. Pas de soucis. Alors le médecin royal, ouais bon en fait c'est la même chose que tout à l'heure. Allez, boum. Corvo, réveille-toi. Tu faisais des grimaces dans ton sommeil. J'ai décidé de faire ma sieste dans ta chambre pendant que Calista prenait son bain. Elle m'a dit de venir ici en cas de danger. Il y a un danger? Calista viendra me chercher une fois sortie d'accord. De son bain. Merci, Corvo. Je me sens déjà mieux. Oui, c'est un petit peu bizarre, peut-être. Non, mais vas-y, reste là, pas de soucis. Ta-da-dam-dam-dam. Ah, une nouvelle lettre. Oh! Sans ton horrible masque. Tu dessines bien, hein? Daddy! Papa? Non, c'est pas inceste, c'est pas vrai. C'est plutôt pédophile, je trouve, mais bon. Bref. Inceste pédophile, quoi. Allez, hop. Vas-y, mais avance, arrête de faire chier. Alors là, c'est la petite séquence pour les pervers. L'investiture aura lieu dans les meilleurs délais. Le mec, il regarde par la serrure. Je sais ce que vous pensez. J'essaie de oui, créer mais bien une sûr, oui. De serrure. En forme de flacon. En forme de flocon.
de flocons. Bon. À la vérité, une gorge de cette forme, c'est absurde. En fait, j'espionnais par la série. Oh. Oh. Juste pour le délire. J'ai pris conscience de... Enfin, vous savez de quoi je veux parler. Je crois en la philosophie naturelle. Mais je ne suis pas dépourvu de manière pour autant. Du moins, j'essaie de me tenir. En fait, je suis un gros obsédé sexuel. Alors, ce qu'il regardait. Coucou. Non, en vrai, tu peux rentrer aussi dans la salle de bain et puis... Donc pour tous les pervers qui ont fait ce jeu, vous pouvez rentrer dans la salle de bain et vous faire plaisir si vous avez envie. Je vais éviter ça, surtout que je suis surveillé. Bref, allez, nanana. On va aller interroger et maltraiter l'autre. Juste comme ça, il n'y a rien à récupérer ou... Non. Hop. Monsieur Sokolov, j'ai cru comprendre que vous aviez déjà rencontré Corvo. Contrairement à vous, notre ami a su rester loyal. Je ne dois loyauté qu'à ma conscience. C'est vous qui complotez avec l'homme le plus recherché de tout l'Empire. Tête de merde. Je crois pour ma part que Corvo n'a pas assassiné l'impératrice. Encore heureux. Que l'ancien maître espion, celui qui se fait appeler Lord Régent, est un tyran sanguinaire prêt à tout pour détruire cette ville. Le cœur de l'Empire. Si vous croyez que j'admire notre Lord Régent, vous vous trompez lourdement. Mais quoi que vous cherchiez à obtenir de moi, il faudra plus que des menaces en l'air. T'es en train de lire quoi, toi ? Je ne vous effraie pas. Soit, mais c'est rare. L'os faire. Sans même parler de la peste, on m'a rapporté qu'un groupe de rats avait dévoré un enfant jusqu'à l'os en moins de 30 secondes. Et encore, combien de temps pensez-vous tenir avant de parler ? Avant de nous supplier ? Des rats ? Ce sont eux vos compagnons de route, amiral ? Ce sont vos compagnons à vous qui nous intéressent, Sokolov. Vous avez signé un portrait de la maîtresse du Lord Régent, celle-là même qui finance l'appareil militaire grâce à sa fortune. Sans elle, ça le Lord Régent n'aurait aucune autorité dans cette ville. Il nous faut son nom. Je regrette, amiral, je ne peux pas vous aider. Ah, je crois que ça ouvre le truc qui est là. Ah, si j'arrive à voir en même temps. Ah oui, c'est ça, ça ouvre ça. Vous faites partie de cette vermine, mais je sais que vous avez vos raisons. En effet, il nous faut le nom de la maîtresse du Lord Régent. C'est tout simple. Je refuse de vous répondre. Vous devrez me faire parler de force, mais je vous préviens, ma volonté est légendaire. Coup de boule, tu verras. Allez, on va être gentil. Quelle curieuse stratégie. Prometteuse, pourtant. Le mec, il est riche. Je boirais bien un verre. Boire un verre ? Bon, on va lui saouler la gueule, ce sera plus facile. Je vous laisse faire. Mais si torturer Sokolov n'aboutit à rien, sachez qu'il a un goût prononcé pour le cognac de King Street. Pierrot. Ah bah voilà ! Ça pourrait lui délier la langue. Sinon, eh bien. Appelez-moi si ça devient amusant. Ah non, ça c'est Wallace. Voilà, si groomy. Allez, Deben. Vas-y, donne-moi ton... Il est notoire que Sokolov a une dépendance au cognac de King Street. Boisson rare, s'il en est. Le goût est infect, mais il se trouve que j'en ai une bouteille. Autant, l'idée que Sokolov en profite n'est pas pour me réjouir. Surtout que je l'ai payé au prix fort. C'est une liqueur hors de prix. Ça serait bien normal. Un mélange d'épices pandiciennes rares et une touche d'huile de baleine. Vous voulez peut-être l'acheter ? Ça dépend le prix. $150 ? Mais c'est pas cher. Enfin, €150 la bouteille de cognac, si, ça doit faire mal quand même. Ça c'est... De toute façon, plus c'est dégueulasse, plus c'est cher en alcool. C'est bizarre. Tiens, saoule-toi la gueule. Pas de la vine. Et en plus, la bouteille est belle. Du cognac de King Street. Je ne savais pas qu'il en restait. C'est un cadeau extraordinaire.
Je vois que j'ai affaire à des hommes de goût. Je peux vous dire ceci. Elle se faisait toujours appeler Lady Boyle. J'ai peint son portrait, c'est vrai, mais je n'ai jamais vu son visage ni entendu son prénom. D'accord. Vous savez, ce portrait la représente de dos. Je vous assure que même sous cet angle, elle a fière allure. Mais j'ignore de quel Boyle il s'agit. Putain, parce qu'ils sont plusieurs. Il était prévu qu'on me la présente lors d'un bal masqué en son honneur ce soir. Mais je n'y serai pas, semble-t-il. Un bal masqué au domaine Boyle, ce soir? Le moment est parfait, Corvo. Mais les Boyle sont cruels et riches, donc la sécurité sera renforcée. Pas de soucis. Bien sûr, vous avez déjà un masque, n'est-ce pas? C'est l'avantage. C'est juste. Vous vous mêlerez facilement à la foule une fois sur place. Vous devrez découvrir laquelle des Boyle est en rapport avec le Lord Régent et la capturer par tous les moyens possibles. On touche au but. Si vous réussissez, on pourra s'attaquer au Lord Régent en personne et mettre Emily sur le trône. Que les vents vous soient favorables. Que les vents vous soient favorables. Vous serez à la petite sauterie des Boyle, dites donc. Oui, vous croyez. J'ai une faveur, on ne peut plus modeste, à vous demander. Pourriez-vous remettre ce mot à Lord Shaw? Qu'est-ce que c'est? Vous le reconnaîtrez. Un homme plutôt brusque, avec un masque de loup. En fait, il me cherchera peut-être. D'accord. Putain, bah j'en ai des trucs à faire. Est-ce que j'ai des trucs à récupérer? Non. Bon. Nouvelle mission. Allez au bal masqué. Mmh. On y va. Le bal masqué des Boyle. Ce sera plaisant, mais pas pour tout le monde. Vous êtes prêts? Ready. Au bal masqué, oh et oh et. J'étais obligé de la chanter. Alors. Alors, vous avez appris que Lady Boyle est la plus fervente partisane de leur régent. Néanmoins, les trois femmes de la famille Boyle sont appelées Lady Boyle. Ah putain, il y en a trois. La femme de feu, Lord Boyle et ses sœurs. La femme de feu. Slokov a peint Lady Boyle de dos, dont les circonstances inhabituelles, elle ne sait pas laquelle vraiment, est l'alliée du Lord Régent. Vous êtes envoyé au domaine UP des Boyle au cours d'une soirée costumée afin de déterminer quelle Lady Boyle vous devez éliminer. C'est joli les petits bruits de cloche là. Ah mince, le Lord Régent a déballé de grands jeux pour la famille Boyle. Je pensais pas qu'il irait jusqu'à poster des Tallboys. De quoi? Des Tallboys? Oh non putain. Il plaisante pas cela. L'avantage quand vous serez à la fête, c'est que vous passerez inaperçu. Ouais, je sais, on me l'a déjà dit. Amusez-vous bien avec tout ce joli gratin. Je ne vous envie pas. Sympa. Oh non mais putain, peut pas eux, ils sont trop chiants. Putain, on dirait Big Ben. Ouais. Juste comme ça, on va... Ah, tiens, déjà intéressant. Je suis censé aller où? D'accord, par là-bas. Bon, je vais aller déborder tout au fond, récupérer celle qui est là-bas. Oh putain, merde, il y a des poissons. Vite. Tu peux pas nager plus vite, bordel. À la demande des propriétaires... Putain, je me fais bouffer là. Je suis en train de me faire bouffer par des poissons. Regardez pas comme ça. C'est quoi ces boum boum qu'on entend là? Putain, c'est des feux d'artifice. Ah, je me fais bouffer. Vite. Hop, ça c'est fait. Mais je continue de me faire bouffer. Je peux pas sortir de la flotte là. Ah merde, il y a des escaliers, j'ai pas vu. Vas-y, mais arrêtez de me bouffer là. Vas-y, crève. Crève. Ouais bah crève pas, tant pis. Putain, merde. Bouffer la vie là. Alors,
Ils sont où, Little Boy? Je trouve un moyen de rentrer. Pas une fenêtre là. Donc elle devait chanter dans le jardin ce soir-là. Mais elle a perdu sa voix dès le début. Ah d'accord, ils sont là. Deux superviseurs sont passés par là. Et ils avaient leur truc là, tu sais. Leur boîte à musique. Et là, elle s'est arrêtée de chanter. Et donc, ils l'ont prise pour une sorcière. T'aurais dû voir ça. Ils se sont carrément jetés sur elle. Putain, barrez-vous. Mais quelle bande d'abrutis. Il a fallu qu'on demande une autorisation au régent pour la libérer. Mais c'est plus la même depuis. Ça m'étonne pas. Je connais les rumeurs. Elle veut pas en parler. Barrez-vous, barrez-vous. C'est fanatique sur le carreau, tu verras. Ça me démange aussi. Voilà. À moi la garde. Zera, on se bat pour vos entrailles. Ah d'accord, putain, j'ai eu peur. Alors toi tu vas là-bas. Putain. Attention, quelqu'un se cache dans le coin. Comment c'est ça lui? Putain, il y a un tall boy. Je l'ai pas vu le con. Putain, ça va être plus chaud que prévu. Se planquer ici, c'est la mort. Trop de monde. Vas-y, un là, un là. Putain. Bon, déjà, toi, tu te casses. Hop. Voilà. Toi, tu restes là. Ah, mais putain, mais il y a de quoi passer ici. Quel con. On va peut-être éviter. Il fait quoi, lui, il est là? Hop. Ok. C'est ingénieur. Ouais, bah, je vais laisser se faire buter. Voilà, il est mort comme une merde. Hop. C'est gentil quand ils se débarrassent à ma place. Putain, par contre, ma manette elle vibre de tous les bouts à cause de l'autre qui est à côté. Alors, c'est où? Ah, interesting. Oh putain, y'en a un ici. Comment ça? Je suis obligé de les tuer? Putain. Comment faire? Non bah je vais être obligé de les tuer. Tant pis. Désolé. C'est juste que si tu viens tout faire foirer. Merci pour ça. Étreinte mortelle, ça je crois que c'est très intéressant comme truc. Estouffer les ennemis plus vite. C'est très très intéressant. Ouais. Non mais ce que je vais enlever au spirituel, puis je la remettrai que quand je boirai. Voilà. Ça je prends. Merci bien. Irais-tu à une fête, Corvo? Eh oui. Est-ce de cela dont tu rêvais pendant ces longs mois en prison? Alors que tu attendais ta sentence, richesse, superbe femme vêtue à la dernière mode, vin de Tivia coulant à flot. Et qu'en est-il de Lady Boyle? Je vois tous ses futurs possibles, et je sais que soit elle meurt ce soir de ta main, soit elle survivra encore longtemps, et finira ses jours loin d'ici, quand ses atours seront devenus guenilles, et ses doux cheveux virés au gris.
La moitié de la ville peut voir les lumières de la fête et tous rêvent des délices qu'ils y trouveraient. Est-ce que tu vas tout mettre en pièces? Dans tous les cas, c'est la dernière fête de Lady Boy. Oh putain! Waouh. Putain, mais c'est qui elle? Putain, elle m'a trop fait flipper. Ah! Putain, puis y en a une autre. Vas-y, mais il y a des princesses Leia partout là. C'est mignon. Putain, elles m'ont fait trop peur. Journal de Mamie Chiffon. Non. C'est l'autre folle, Mamie Chiffon. On va se casser d'ici parce que... Parce que c'est glauque. Très glauque. Ouais. Non, bah, je suis full de toute façon. Juste comme ça, il y en a un là, j'arrive là-bas. Oula, j'avais pas vu le temps. Mais on va s'arrêter ici. Parce qu'après, ça va être trop long. Et cette mission, je pense qu'elle va encore durer au moins 3 épisodes. Donc, je vais vous laisser ici. Et je vais vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur cette mission. Je me regarde pas en faisant la grimace, toi. Bref. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bonne matinée, bref. De quoi ? Vive la licorne, d'accord. Bon, bah, vive la licorne. Allez, salut à tous. Char est un écran portant la mention play again.